de Nessos c'est fini. Donc c'était que des bêtes, voilà, compliqué. Donc c'est comme dans le dernier épisode que j'avais fait, donc c'est faire que des kills. Donc au niveau des bêtes, faire des kills directement. Et après donc faire des kills au super ou faire des armes. Donc le plus rapide c'est comme faire des kills au super. Ça vous prendra à peu près entre 5 et 10 minutes, ça dépend. Donc là par contre, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Très honnêtement, je sais pas. Donc là déjà ce qu'on va faire, on va déjà faire les vets. Je vais essayer de l'augmenter. Voilà. Donc là on va l'augmenter. Non, donc là c'est pour la ménagerie. D'accord. Donc là c'est pour la ménagerie. Ça peut être utile, je sais pas du tout, donc je ne saurais pas vous dire à l'heure actuelle. J'ai pas. Je sais que moi je fais beaucoup maintenant de PvP. Je fais plus trop de gambit. J'ai pas remarqué d'amélioration nette au niveau donc du PvP. Faut d'ailleurs que je teste. Que je teste tout ça. Donc là je vais déjà augmenter déjà le PvP, ça sera déjà pas mal. Donc en fait, moi je vous conseille, si vous faites plus des modes en particulier, améliorer vraiment ces modes particuliers et ne pas faire les autres. Donc là maintenant vous savez que il y a le cadran donc de Nessos, c'est uniquement pour la ménagerie. Que celui de précédent, donc celui de la DDME, c'est pour tout ce qui est de l'avant-garde. Donc si vous faites par exemple le Wendigo, ça peut vous être utile. Après je sais pas ce que ça apporte de plus, mais je sais que ça vous rapporte des les matériaux pour augmenter donc les obélisques. Donc ça peut être très utile. Donc après c'est à vous de voir ce que vous voulez augmenter. Moi c'est comme ça que je fais. Là je vais tous les réinitialiser, donc enlever tous les obélisques, et je vais garder tous du PVP et du gambit, mais la priorité je vais faire celui du PVP. Donc je vais continuer à l'améliorer, et celui du gambit après aussi je l'améliorerai par la suite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc moi je vous dis à la prochaine, et donc j'espère que la prochaine vidéo ça sera sur la raid du jardin du salut. Donc seul le temps me le dire. Allez, tchuss.